Salut tous, c'est Isaac Frostify, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo là, on va tout simplement essayer de semer la police dans la nuit. Voilà, tard dans la nuit, avec un T-Max. Donc voilà, il y en a. J'avais fait une vidéo sur course poursuite dans la nuit. Il y en a à qui ça avait pas mal plu, parce que voilà, le côté nuit en fait ça change vraiment beaucoup de choses. Donc du coup voilà. Allez, c'est parti. On est parti. Nous allons provoquer. Oh là là. Ouais, on va essayer de les provoquer sans tomber du T-Max quand même. Bon, tu sais quoi? Allez. Allez, venez là. Les abonnés veulent de la course-poursuite. Donc il va falloir se réveiller là. Je sais pas, dans le jeu, il doit être grave tard en vrai. Il doit être 2-3 heures du mat. Regardez comme il n'y a personne sur les routes. Mais on s'en bat les reins, on va faire une de ces courses poursuites. Ça va être énervé. Allez, c'est parti. Ah ouais, pour les provoquer maintenant, c'est devenu. Avant, ils venaient direct. Après, au moins, c'est plus réaliste, hein, mais quand même. Avant, ils venaient direct. Maintenant, pour. Allez, voilà. Ok, allez, on va aller directement vers eux là. Putain, où est-ce qu'il est, le petit? Je le vois accélérer là direct. Où est-ce qu'il est? Je vais les emmener, je vais me livrer à eux pour qu'on puisse faire une belle course poursuite. Regardez, c'est con là, ils savent même pas où je suis. Eh oh, je suis là. Hein. Bah alors. Ouais, bon là je fais un peu moins le malin parce que en vrai, comme je vous ai dit, s'ils tapent dans mon T-Max là, c'est chaud. Ok, allez, c'est parti. Putain, on l'a déjà perdu. Putain, mais franchement, ils sont grave nuls, hein. Leur niveau, il a régressé de fou. C'est vraiment de la folie, ça. Ah là là là. Ouh là, par contre, là, il y a les hélicos. Ça, c'est pas normal. Mais bon, tranquille. Allez, ils sont tellement nuls. Franchement, je vais faire mon petit wheeling, là. Ah! Grosse erreur, grosse erreur. Grosse erreur, grosse erreur. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Ouais, grosse erreur, en fait, ça va, quoi. Ils sont tellement lents que j'ai le temps de boire un café. Mais, putain, mais regardez ces cons. Ils sont partis à pied. Ils ont quitté leur voiture, mais vous êtes bêtes ou quoi? Jamais faire ça. Quitter son véhicule seulement que si le gars est vraiment... Vous êtes sûr de pouvoir l'attraper. Voilà, une petite tête. Tac, tac. Ok. Voilà, reste tranquille. Toi aussi. Oh putain, l'enfoiré. Ah, les enflures. Oh lolo. Oh. Alors là, par contre, je vais vous terminer, vous. Comment ça, vous faites les malins comme ça, là? Okay. Bon, je pense qu'ils arrivent très très lourd là. Il va falloir faire attention parce que je pense qu'ils vont arriver en masse. Ouais. Oh, allez, reprends le T-Max. Allez, 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 allez. Ça devient chaud, ça devient tendu. Mais putain, mais c'est pas possible. Putain, c'est une dinguerie ça. Ah, c'est une dinguerie ça. Allez, monte sur le T-Max là. Dépêche-toi là. Oh là là, c'est un truc de fou ça. Putain, j'hallucine. Le mec, il est devenu fragile, s'il te plaît. Quand on monte sur un quad, une feuille, il tombe du quad. Et là, c'est quoi ces conneries là? Putain. Ouais, j'ai changé de voie parce que ça m'énerve là. C'est une dinguerie ça. C'est énervant ça. Puis j'ai perdu une roue là du T-Max. Oh là là, ah, ils m'ont gravement blessé là. Ah, j'étais au plus mal en vrai. Heureusement, c'était genre que deux à tirer, qu'il y en a un, il tire à côté trois fois sur quatre, mais quand même. Bon bah, je les ai déjà semés, je crois. Ils me retrouveront, mais genre jamais. C'est juste impossible. Et tu sais quoi, comme je suis gentil, je vais tirer. Et en plus, regarde, c'est chelou, hein. Je tire, mais ils me retrouvent pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Ouais, par contre, j'avoue, vaut mieux pas me retrouver, hein, parce que... Coucou, je suis là. Attends, je vais lancer une petite bombe, là. Voilà. Ça va en calmer plus d'un. Bon, moi, du coup, retrouver une cachette. Ouais, je crois que mon T-Max, il est mort, en vrai. C'est quoi, on va jouer à cache-cache. Je vais essayer d'observer. Oh, mais ils sont tellement nuls. C'est chaud. La course poursuite est déjà finie, les gens. C'est chaud de ouf. C'était trop simple. Pourquoi c'est devenu aussi simple, les courses poursuites? C'est que quand, je sais pas, quand on fait un braco, quand on lance un braco, les courses poursuites, ça devient... Là, c'est compliqué. Mais là, franchement, les gens, c'était trop simple. En vrai de vrai, c'était vraiment trop simple. Ah là 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 là. C'était trop simple. Attendez, hop, je me casse de là. On va essayer de prendre une voiture là. Comment je me barre d'ici? Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Comment je me barre d'ici? Les gars, c'est pas ma faute, hein, si je suis devenu beaucoup trop fort avec les courses poursuites, elles durent plus loin, elles durent 0 seconde. C'est pas ma faute, hein, à force, voilà. Hein. C'est devenu easy, hein, je te jure, la course poursuite, là, je pouvais la faire les yeux fermés, hein, tellement c'est facile. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui galèrent en plus, qui meurent en plus carrément, ah là là, les pauvres. Je vous plains, les gars. C'est trop simple, hein, les gars, c'est vraiment trop simple, hein, franchement. Attendez, je vais reprendre la route. Non, c'était vraiment trop simple. Hein. Ça en est inquiétant, franchement, ça en est inquiétant. Je vais voir s'il y a un mode où... Déjà que j'ai mis un mode qui augmente grave la difficulté. Allez, toi, donne-moi ta voiture, toi. Allez, sors. Ah ouais, sorti du KFC, rien à foutre. Allez, laisse-moi ta voiture. En plus, il y a un mec derrière. Ah ouais. Par contre, le véhicule, il est vraiment nul. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, j'ai pas de batte de baseball, dommage. Qu'est-ce que tu veux, toi? KO direct, à la Mike Tyson. Ah non, il est pas KO. Voilà. Allez, reste tranquille. Bon, on va partir à la recherche d'un petit véhicule sympa. Bon, sinon, concernant les vidéos de la semaine, alors, vous aurez un Street ZR, vous aurez un GTA 5 course de voiture, vous aurez un Briscoe ZR, vous aurez un Herman ZR, on va essayer de faire un Samir ZR, et il y aura une vidéo défi. Voilà le programme de la semaine. Donc, semaine chargée, soyez au rendez-vous. Et il y aura peut-être une vidéo bonus sur un jeu. Sur un jeu. Je vais voir si je peux me choper FIFA 19. C'est pas sûr, mais je vais voir. Franchement, je vais essayer de me le choper. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des vidéos sur FIFA 19. Et ouais, j'essaierai de me le choper. Et ça peut être pas mal, la vérité. Surtout que si je fais du FIFA 19, je pourrais me montrer en facecam, je pense. Le format, il s'apprête bien. Donc voilà les gars, ça peut être pas mal ça. Oh, y a aucune voiture dans ce parking, aucune voiture intéressante. Oh les gars. Je sais qu'il est 3h du mat dans le jeu, mais quand même. Quand même. Quand même les gars. Bon, hein, c'est une vidéo détente. Hein. Y a pas une vidéo du dimanche, hein, tu connais, hein, c'est voilà, vidéo détente, tranquille, on est là, on parle, on joue à GTA. Attends, je vais prendre ce véhicule là. Voilà, on est détente, on est entre nous, tranquille, tu connais. Alors. Il faut qu'on parte à la recherche d'un véhicule assez bien exploitable. Et là, j'en trouve pas. Alors, c'est quoi ça? Non.
Vieux véhicule. Ouais, rien à foutre. Tiens pour la peine, voilà. Où est-ce qu'il y a un putain de bon véhicule là? Oh, y'a rien, hein. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a grave rien. Bon, sinon, je n'hésitez pas à me donner encore des défis dans les commentaires. Allez, des défis vraiment durs, compliqués, parce que... Là, ça devient trop simple. J'attends de bons défis de votre part. Et puis voilà, quoi. Tac. Ouais, il y a zéro voiture. Hein. C'est grave tendu. Hein. La situation, elle est tendue, les gars. Il y a zéro voiture. Mais quand je dis zéro voiture, c'est zéro voiture. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller... Vas-y, on va voir si on peut foutre une petite merde ici. Oh, fais pas le malin toi, bas dans la tête direct. Fais pas le malin, on t'a dit. Alors attends, c'est vrai que pour pouvoir utiliser son arme ici, il faut rentrer avec en tirant. Allez. Oh déjà la belle demoiselle. Putain mais, wesh. J'ai tiré avant de rentrer. Voilà, c'est fait. Tranquille. Bon, on tire pas sur les femmes, on va dire. C'est tout, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Oh mon gars, tu te caches derrière des rideaux. T'es aussi faible que ça. Ok. Et maintenant, on se barre par là. Et comme ils sont cons, ils m'ont pas vu. Ah ouais, ça devient grave, hein. Trop facile de s'enfuir ici, hein. Les gars, non. C'est assez grave. Voilà. Comment se met la police en 2-2. Par contre, on voit rien du tout, c'est une galère. Mais quelle galère. Attends, là, ils peuvent m'avoir. Oh lolo, ce serait relou. Ah, c'est bon. Ok. Bon, bah voilà. J'ai réussi à sauver la police trop facilement. Non, je vais regarder là s'il n'y a pas des modes genre pour améliorer ça. Vraiment, pour que ce soit bien, bien dur. Bref, bon, écoutez, une petite vidéo détente sur GTA. Donc, moi, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était quand même une vidéo détente. Il n'y avait pas beaucoup d'action. C'est vrai, j'avoue. Mais c'est pas ma faute si... La police n'a pas pu suivre. Bref, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, à mon Instagram. Là, c'est bien. Là, on arrive vers les 4000 abonnés. Continuez. Et voilà, je vais pouvoir enfin bientôt lancer le concours. Bref, moi, je vous dis en tout cas à la prochaine. Et portez-vous bien. Bye bye.